Ouais, un aller simple pour le crématoire. Vous n'avez pas oublié notre marché, j'espère. Je lui ai donné une déverrouillée. Voilà, bon. Ouais, c'est tout. C'est pas ce qu'on a mis. Faites gaffe, regarde. Je cherche du travail. Et vous savez faire quoi? Je me débrouille assez bien avec une épée. Je pourrais faire office de garde du corps. Vraiment? Garde du corps de qui? Une foule, ça peut vite devenir dangereux. Je pourrais éviter les débordements. Vous avez un peu d'expérience? Je suis un sorceleur. Mon métier, c'est de tuer des monstres, alors de simples humains. Un garde doit savoir se battre, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez vous maîtriser, et maîtriser une foule. J'ai appris à ralentir ou à accélérer mon rythme cardiaque à volonté, à dilater mes pupilles et à modifier mon métabolisme. Mon médaillon vibre au moindre danger et je connais plusieurs sorts élémentaires. Vous allez devoir faire vos preuves. Je veux voir ce que vous valez au combat. Vous allez entrer dans l'arène. Si vous survivez à 3 combats, je vous embauche. Très bien, inscrivez-moi. C'est déjà fait. Si vous êtes prêt, on peut même commencer tout de suite. Je suis toujours prêt. Excellent. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. N'oubliez pas, c'est un combat à mort. La foule n'aime pas les âmes sensibles qui épargnent leur adversaire. Allons-y. À vos bourses, les paris sont ouverts. Venu du lointain Orient, où l'eau est plus précieuse que la vie d'un homme, voici un mutant meurtrier, un sorceleur. Son adversaire, Gustave Röhn, l'homme qui a ouvert le ventre de sa mère avec les dents pour venir au monde. Comme toujours, c'est un combat à mort. Je refuse de tuer cet homme. Lâchez les chiens. Ce sont les fils d'un ours de la montagne, et ils ne vivent que pour tuer. Fini de jouer. Couchez-vous, si vous ne voulez pas finir comme votre frère. Jamais. Lâchez les bêtes. Minable.
Bravo. C'est ce qui s'appelle une belle boucherie. On m'avait dit qu'il y avait un nouveau champion dans l'arène. Et on ne m'avait pas menti. Trop aimable. Je peux savoir à qui j'ai affaire? Ah, vous me décevez. Vous êtes venu pour me tuer et vous ne savez même pas à quoi je ressens. Bon, assez discuté. Les nains de Surin sont dans les égouts. Ils ont massacré les gardes. Ne reste pas planté là comme un abruti, bordel. Sonne l'alerte et débarrasse-moi de ces nabots. Et que quelqu'un règle son compte au sorceleur, foutre Dieu. Vous avez entendu le patron? Tuez-le! Crève, minable! Je déguerpisse d'ici. Un problème. Cheveux blancs, venez donc jeter un œil.
Que la pluie, vous sentez. Oh ! Ah ! Ah ! Je crois bien avoir déjà entendu parler. Ça se route, madame Aka, voilà. Si on tombe, foutez-moi la paix. Bonjour. Ah, vous êtes l'ami de Reven, c'est bien ça? J'ai entendu parler de vous. C'est vous le chef ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'y êtes pas allé de main morte. Ouais, on s'est un peu emporté. On s'est pointé ici pour demander poliment au petit bâtard de nous suivre avec sa clique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hommes n'ont pas franchement le sens de l'hospitalité. Je cherche le bâtard. Ah, bienvenue au club, l'ami. Le petit bâtard est très populaire en ce moment. Mais vous fatiguez pas à chercher. Vous le trouverez pas dans le coin. Vous savez où je peux le trouver? Non. Je vais inspecter la maison. Ouais, je vous tiens à l'œil. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vous, Grison. Gérald de Rive. Rien d'intéressant ici. Toutes les routes mènent à Mahakam. C'est les mains qui ont dépoussé les Blanches-Neiges. Mais bien sûr, foutez-nous ça aussi sur le dos. Fais-moi la paix. Rhin m'a demandé de fouiller, alors je fouille. Oh, Gérald de Rive. Je crois bien avoir déjà entendu parler. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Cet endroit a été nettoyé de fond en comble. Vous aurez du mal à trouver du travail ici, ça se... Belle au bois dormant. J'aime bien quand il pleut. Au moins les coups de course ne sont pas. Ah, comment osez-vous? Veuillez m'excuser. Hey.
Connard. C'est pas un endroit pour vous. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, hein? On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. T'entends ça? Encore un. La réponse est non. Combien? Arrête, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Faut qu'on reste poli. Je commence à en avoir marre, c'est tout. On veut pas de votre argent, on veut rien du tout, compris? Allez, maintenant dégagez, avant qu'on s'énerve pour de bon. Ouais, bonne place, je resterai pour ici. Vous avez entendu? Dégagez. Les hommes du bâtard ont attaqué le bosquet putride. Bedlam devait l'avoir mauvaise. À ce qui paraît, plusieurs magiciens sont morts. Moi, à votre place, je resterai pour ici. Vous ne pouvez pas entrer. Je vais entrer. Je vous conseille de ne pas m'en empêcher. Sinon, quoi? Vous allez nous tuer? Exactement. T'as entendu ça? Et comment? Il nous a menacés et il a dégainé son arme. Crève, sale chien! Lâchez le menu, Finissons ça.
sera fatal. Tu sortilège. Entendez ? Vous êtes encore en vie ? Ne me tuez pas. Je n'en ai pas l'intention. Mais qui êtes-vous ? J'ai entendu des cris en bas. Du calme. Tout va bien. Vous allez m'aider ? Vous n'avez rien de grave. Parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici ? À votre avis, je prends du bon temps, pardi. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas ? En fait, oui. Et alors ? Qu'avez-vous appris ? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Je ne vous fais pas confiance. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous jure. Je crois que vous allez devoir rester encore un peu. Non, pitié. Réfléchissez. Il y a encore temps, vous comprenez ? Je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les